Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des coulants aux deux chocolats, chocolat noir et chocolat blanc. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser et c'est super bon. Avis aux amateurs, allez, je vous explique tout cela maintenant. C'est parti! Première étape, on préchauffe le four à 240 degrés, thermostat 8, pour avoir un four bien chaud. Deuxième étape, on va prendre le chocolat noir et le chocolat blanc. On rajoutera encore quelques carrés de chocolat blanc au final, mais je vous marquerai ça sur la description. Voilà. On va prendre le beurre et on va les faire fondre. Alors soit vous le faites fondre au bain-marie, vous savez, une casserole avec de l'eau, vous faites chauffer la vapeur, ça va faire fondre le tout. Mais vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes, ça marche très bien. En revanche, vous n'attendez pas que tout soit fondu. Vous fondez jusqu'au moment où vous voyez que le beurre est quasiment fondu, qu'il reste encore quelques morceaux de chocolat à fondre et on le finira directement. De cette manière, ça va éviter que le chocolat soit trop cuit. Le temps que la première préparation fond, on va mélanger les œufs. On va les fouetter un petit peu afin de commencer à les casser. On va rajouter le sucre en poudre et on va blanchir l'ensemble. En fait, on fait juste fondre le sucre et de cette manière, on est sûr que tout soit bien mélangé. Vous voyez, on blanchit tout simplement. Alors moi, c'est pour 10-12 personnes, hein, des petits ramequins. Évidemment, vous prenez la recette, si vous voulez en faire moins, et vous la divisez, hein, c'est pas plus compliqué que cela. On n'oublie pas de surveiller le beurre et le chocolat au micro-ondes. Voilà. Là, c'est bien blanchi, on va pouvoir le mettre de côté. Le temps que le beurre et le chocolat finissent de fondre, vous tamisez votre farine, vous mettez un petit peu de poudre levante, hein, de la levure chimique, et une petite pincée de sel, une demi-cuillère à café de sel. Et vous voyez, on va venir les mélanger tous ensemble. De façon à ce que tout soit bien réparti. Voilà. Et on va laisser ça de côté. On va le prendre au dernier moment. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez, le beurre est quasiment fondu. Le chocolat aussi. On va maintenant finir de le fondre juste en le mélangeant comme ça. Et de cette manière, on va pouvoir amalgamer le chocolat et le beurre. Et on aura quelque chose qui sera pas totalement chaud. Ça évitera de brûler nos œufs. Alors ça peut prendre 2-3 minutes le temps que tout soit bien fondu, mais c'est vraiment important. Voilà, tout est bien fondu, vous voyez, on a quelque chose de joli. Évidemment, on vérifie avant de le transvaser, le chocolat et le beurre dans les œufs et le sucre, que tout est bien fondu. Il faut vraiment être sûr et certain. Voilà. On va, alors, si vous êtes deux, pour faire cette étape, c'est mieux. Maintenant, tout seul, ça se fait aussi, vous allez voir. On va simplement venir prendre le chocolat et le beurre et on va le mélanger à la préparation tout en mélangeant. Vous voyez, à deux c'est plus facile, mais tout seul on y arrive quand même. C'est un petit peu plus laborieux, mais ça se fait. Voilà, on va déjà mélanger cette partie et on rajoutera ce qui reste, parce que c'est quand même dommage d'en perdre. Voilà, on va rajouter ce qui reste. Et puis en pâtisserie, les ingrédients, le nombre, c'est important. Donc on évite d'en laisser trop dans les plats. Voilà, on va maintenant rajouter notre farine. Alors on va y aller en deux fois,
tailler. Et puis, à un moment, on vient sur les bords. Et on mélange tranquillement. Et dès que la première partie est bien mélangée, on met le reste de farine et de levure. Le sel, c'est pas une obligation, hein, sachez-le. C'est juste, ça donne un petit goût supplémentaire avec le chocolat. C'est plutôt bienvenu. D'ailleurs, si vous avez de la fleur de sel, c'est encore mieux. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment très joli. Voilà, une fois que c'est comme ça, on rajoute la deuxième partie de farine. Comme d'habitude, on n'en oublie pas. Et on remélange une deuxième fois. Voilà, vous voyez, on obtient une pâte superbe, elle est bien brillante. Donc maintenant, on va prendre des moules. Alors vous pouvez aussi prendre des moules en silicone, hein, ça marchera très bien. Moi j'aime bien les petits moules comme ça, c'est pratique. Vous les beurrez, vous les farinez de façon à ce que ce soit plus facile à démouler. Et simplement, on va venir, alors je vais le poser pour que ce soit plus simple. On va venir remplir les moules aux deux tiers. Pas besoin de remplir de trop. Ça va gonfler un petit peu dans le four. Encore un petit peu. Et c'est bon. Voilà. Nassé. On fait pareil avec la deuxième partie. Évidemment, pour chez vous, vous pouvez y aller directement comme ça. Hein. Là, c'est pour la vidéo. Vous voyez, même en faisant attention, j'arrive à en mettre à côté. Mais enfin, ça reste du chocolat. Ça coule facilement. Et puis, c'est pas tellement grave. Hein. Quand on cuisine, on en met toujours un petit peu à côté. Voilà. Dernière étape avant la mise au four. On prend deux carrés de chocolat blanc et on vient le poser au milieu. On fait pareil avec l'autre. Et c'est parti pour 8 minutes, alors si vous voulez avoir vraiment quelque chose de très coulant, c'est 8 minutes, pas plus au four. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu moins coulant, 9 minutes. Quelque chose d'encore un petit peu moins coulant, 10 minutes. Au-delà, ça risque d'être plutôt un moelleux plutôt qu'un coulant. Donc, à vous de voir. Voilà, la cuisson est maintenant terminée. Alors pour un moule comme celui-ci, c'est environ un moule de 8 cm sur 4, la cuisson a pris un petit peu plus de 10 minutes. D'où l'importance vraiment de surveiller suivant les moules, suivant la consistance dans un moule en silicone, ce ne sera pas la même cuisson que dans un moule en terre comme le mien. Donc à vous après de regarder et d'évaluer le temps de cuisson exact. Donc on va le laisser refroidir pendant 3-4 minutes et après on va démouler. Le moment tant attendu est arrivé. On prend notre assiette, on renverse, on démoule, on fait attention de ne pas casser. Il faut que ça vienne tout doucement. Voilà. Et évidemment c'est chaud, il ne nous reste plus qu'à le découper en deux. Et vous voyez, regardez, c'est magnifique, ça coule parfaitement. On a un moelleux qui est moelleux sur le côté et fondant, coulant au milieu. C'est vraiment une réussite. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous conviendra. À bientôt sur Comment Fait-on ?